Avez-vous envie d'être? Quand il y a des moments d'agitation, de stress important, d'émotionnel un peu perturbé, et c'est un peu le cas en ce moment, une stratégie que j'aime bien utiliser en coaching, c'est dans 10 ans, 5 ans, 15 ans, qu'est-ce que j'aurais envie de garder comme souvenir de cette situation? Quelle personne ai-je envie d'être? Et de qui j'ai envie de me rappeler, pour me rappeler qu'aujourd'hui, l'essentiel, bah, c'est la vie. Alors oui, quand on est entrepreneur, bien sûr, on a des ventes à faire. Bien sûr, parfois, il y a des équipes à piloter, à engager, à animer, à accompagner. Et en vrai de vrai, le plus important, c'est quand même ce que l'on vit aujourd'hui. On a la chance d'être dans un pays où on peut sortir dans la rue librement, encore plus en tant que femme, où nous pouvons sortir dans la rue librement, où nous pouvons ouvrir l'eau du robinet et boire même cette eau qui est potable, où nous pouvons appuyer sur un bouton pour avoir de l'électricité, où nous pouvons manger à notre faim ce qui nous plaît. Même si certains sont limités par un budget, en vrai, ils peuvent manger tous les jours. Et du coup, c'est de relativiser et de pondérer dans des moments de vie où c'est un peu chahuté, de monter un peu dans cette montgolfière, avancer dans le temps et se dire « Ok, qui j'ai envie d'être dans ce moment-là présent ? Et qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ?» C'est un vrai sujet, c'est un vrai questionnement. C'est pas juste un truc un peu fleur bleue, mais je vous invite vraiment, en tant qu'entrepreneur, quand vous sentez que tout est agité, comment vous pouvez monter dans cette montgolfière et puis regarder derrière vous en vous disant « Tiens, si je regarde aujourd'hui, qui j'ai envie d'être ?» Pas ce que j'ai envie de faire, pas ce que j'ai envie d'avoir, mais qui j'ai envie d'être. Et bien souvent, j'en discutais encore tout à l'heure avec un autre entrepreneur. Au moins, on est focalisé sur ce que l'on veut faire ou ce que l'on veut avoir. Au plus, on a. Et notamment en termes de chiffre d'affaires. Donc, rappelez-vous, le plus important, c'est qui vous voulez être. C'est tellement simple. Et en même temps, ça demande tellement de profondeur. Je vous souhaite une magnifique journée. Et je vous dis à demain. Bye bye.